s'attaque du sérieux là, on s'attaque à la musique. Ah ouais. Yo tout le monde, c'est Psyclo. Certains le savent, j'ai eu un petit passé avant de faire des vidéos sur YouTube, je faisais de la musique. Ça, c'était pour ce que je faisais. J'ai toujours eu cette accroche avec la musique. J'écoute toujours énormément de musique au fur et à mesure. Toute la journée, j'écoute de la musique tout le temps. Ma vie, c'est la musique. Ouais, on peut un peu dire que la musique est un peu la poésie de ma vie, quoi. Et là, pendant ce confinement, j'ai écouté plus particulièrement un style que j'écoutais pas spécialement avant. Vachement détente, vachement cool. C'est le lo-fi hip-hop. Ouais, Psyclo, je connais déjà, t'inquiète et tout. Tu nous apprends rien. Ok, est-ce que tu savais que lo-fi, déjà, ça voulait dire low fidelity. Par rapport à la fidélité musicale que les gens qui écoutent ça écoutent vis-à-vis des années 80. Ça veut rien dire ce que je suis en train de dire, putain. En gros, fidèle au son de l'époque des années 80, des années 2000. Tout ce que tu dois retenir. Et il m'est venu une idée. J'écoute la musique pendant le confinement, histoire de chill. Je joue à Minecraft, histoire de chill. The prophecy is true. Tu l'as deviné, aujourd'hui on va remixer la musique de Minecraft, mais avant de la remixer, il va falloir qu'on fasse ça en deux étapes. La première étape, ce sera une petite session ASMR sur Minecraft, histoire d'aller récupérer des petits sons, etc. Et la deuxième étape, ce sera monter le son. Ce que vous savez pas, c'est que le son il est déjà monté, parce que j'ai mis à peu près 4 ou 5 heures à le faire. C'est parti, let's go sur Minecraft. Bon, nous voici sur Minecraft, on a de la chance, on a spawn à côté d'une crevasse, d'un village, dans une plaine où il y a pas mal d'animaux. Ce sera assez cool pour capturer du son et faire du petit ASMR Minecraft. C'est parti ! On va les s'immiscer parmi les chèvres, histoire d'avoir des petits sons de chèvres. Pour les chèvres, je pense qu'on est bon. On va aller au niveau des vaches. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. On a les poules ! Oh putain, mais on a tout ce qu'il faut ici en fait. Ok, on va aller choper les villageois. On est bien pour ça, qu'est-ce qui va nous manquer? Bah des bruits de blocs. Bon bah en vrai je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut, c'était cool. Maintenant on se retrouve pour la seconde partie où on va faire la musique. Let's go, à tout de suite. Abonnez-vous. Ça c'est une bonne chose de fait. Maintenant let's go sur un logiciel de montage. Premièrement on descend en BPM de Lofi, c'est-à-dire en 180 BPM. J'ai récupéré les stems de Minecraft, histoire de pouvoir les modifier. Ok, alors ça peut vous paraître un petit peu le bordel pour certains, mais... voilà les coulisses. En premier lieu j'ai gardé la mélodie de base, et par-dessus j'ai rajouté un fil qui permettait un peu d'avoir un effet vinyle. Voilà ce qu'on a pour les leads. Par-dessus, j'ai chop les quelques petites instrus qu'on peut entendre à ce niveau-là. Avec un délai. Pour garder un effet magique un peu avec des cloches, etc. Donc ça c'est pour les leads et la mélodie qui va surplomber le tout. En second, j'ai rajouté un pad. Un pad, ça va venir rajouter une atmosphère un peu plus... profonde, un peu plus deep. Ouais, c'est le mot, hein, écoute. Donc le pad vraiment qui te pousse doucement. On ajoute les drums. Alors pour les drums de la première partie, ça a été assez rapide. J'ai mis un petit filtre uprise qui va ramener le drum. Avec une reverb qui pousse un peu le snare un peu plus loin. Pour le drop, on a l'uprise, le filtre qui va venir rapporter, qui va lâcher la sauce. Je vous laisse écouter ça. Fait que ce soit trip hop.
Voilà, ça c'est pour les drums, maintenant on peut attaquer la basse. Pour la basse, j'ai pris quelque chose d'assez simple qui va venir agrémenter le pad qui a déjà une bonne, un bon cœur. Je voulais quelque chose de bien sub. Voilà pour la basse. C'est du lofi, vous savez très bien, dans le lofi, il y a un peu une atmosphère, j'ai rajouté un peu de pluie par-dessus, en tout cas au début. Tout le début commence avec cette atmosphère un peu pluvieuse, etc. Et j'ai incorporé quelques sons de Minecraft que je suis parti récupérer moi-même. Pour mettre cette ambiance un peu... bah Minecraft en fait. Juste avant le drop, j'ai incorporé les villageois et puis je suis passé de la pluie au beau temps en rajoutant des petits sons d'oiseaux qui ne sont pas dans Minecraft à la base. Voilà, ça c'était pour la première partie du son. Autre chose, j'ai intégré des riffs en piano de base. Et par-dessus ça, j'ai rajouté un filtre, donc justement Isotope Vinyl, qui est gratuit et qui rend ça sur le son de base. Donc avec le son des oiseaux. Voilà, je vous ai montré à peu près comment j'ai construit mon son. Maintenant, je vais vous laisser avec, en tout cas, la première version du son. Il y a une deuxième version que vous n'entendrez pas dans cette vidéo. Elle est juste dans la description. Vous avez le lien pour l'écouter en streaming entièrement. La deuxième, c'est un peu plus dark. C'est un peu plus style Suicide Boy, pour ceux qui connaissent la chaîne YouTube Lo-Fi. Un peu dépressif, ouais. Mais en tout cas, j'ai joué avec les bruits de zombies et avec l'ambiance un peu grotte, caverne, etc. Et surtout, dites-moi, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos musicales, j'ai fait pas mal de musique. Je maîtrise un peu les logiciels de montage musicaux. Donc je peux attaquer d'autres genres. C'était Psychlo, c'était rapide et efficace comme d'habitude. Ciao.